Salut. Ça va? Ah, moi oui. Bonsoir Déby, bonsoir Wingshun, bonsoir Igara. Hop. Bonsoir la petite manette. La petite manette. Zoup. Ah. Éclatax de ouf, bah ouais, tu m'étonnes, j'ai suivi un petit peu là. C'était un petit peu chaud la journée là. Après, je sais pas vous, mais moi le week-end j'ai la flemme de faire des trucs, tu vois, par exemple le ménage. Mais parfois, je vais voir genre une tâche ou un truc, tu vois, ça va me trigger, et je vais le laver. Et une fois que je mets la main dedans, c'est terminé en fait, c'est-à-dire que tout y passe. Tout y passe. Le sol y passe, les poignées de porte y passent, les interrupteurs y passent, les chiottes, la salle de bain, tout. Tout. Ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrive, quand ça m'arrive, c'est un drame. Mec, je mets au moins 7 heures à nettoyer mon bureau. Ah ouais, tu m'étonnes. Le bureau, c'est pareil. Je dois le faire deux fois par an. Mais quand je le fais, le truc, je sors le pack de lingettes Sanitol et je sanitolise tout. Incroyable. Anyway, ce soir, nous allons partir sur Undertale. Encore, comme tous les dimanches. Et comme probablement encore ce dimanche et le dimanche prochain. Si l'info chat de Igara Girl la dernière fois, qui avait pour source quand même le site How Long To Beat, qui est quand même plutôt fiable en général. Si l'info chat était bonne, normalement, on en a encore pour ce soir et le soir d'après pour un playthrough normal. On n'est pas du tout à l'abri que je sois bloqué dans un puzzle parce que je suis nul. Voilà, on n'est pas à l'abri de ça. C'est important de le dire. 1h30 pour le clavier, mais il est propre. Ouais, le clavier, les touches de clavier, je les mets dans un essoreur à salade avec de l'eau tiède chaude, un peu de liquide vaisselle et je tourne. Je tourne et après elles ressortent, elles sont impeccables. C'est ma technique en tout cas. Bon, attendez, je lance Undertale. Oula. Oula. Ah. Ok. Oula, j'ai failli cliquer sur reset. Ouh. Donc nous étions évidemment arrêtés ici. Je vais juste mettre ma cam en beaucoup plus petit, bougez pas. Je suis obligé de faire ça. Je suis obligé de faire ça parce que sinon on n'aura pas... l'écran il va être voilà, les chats et tout, ça va être une galère comme pas possible. Attends, je vais mettre la capture de jeu plutôt que la screen capture d'ailleurs. Il y aura un meilleur rendu. Voilà, on est bon. On est bon, c'est bon. Alors. Les touches, ça va, je prends un chiffon mouillé, mais purée, la tonne de poils de chat qu'il y avait dans les Switch. Ouais. Au nord. Ferme des Blooks, à l'est. Calcitaire. Nord, est. Et on ne sait pas où, le village t'est mis. Ils savent pas dire ouest. Bah. Quoi ça? Ce petit oiseau veut vous aider à traverser. Accepter son offre? Bah ouais. Wouah. C'est quoi ce merdier? Il prend 3 heures. C'est quoi ça? Bon, écoutez, je prends. C'était juste pour vérifier qu'on pouvait pas le remercier, genre. C'est quoi une étoile? Ça se touche, ça se mange, ça se tue. T'es une étoile? Non, je ne suis pas une étoile. On l'avait déjà vu, lui? J'ai l'impression qu'on vient de là, mais qu'en même temps, non. Ouais, si, on était déjà passé par là.
C'est juste qu'il n'y avait pas le petit piaf tout à l'heure, je pense. Ouais, c'est curieux. Renvoie-nous, petit oiseau, renvoie-nous. La mise en scène. Désolé, ça me fait rire, voilà, ça me fait rire. Voilà, il me faut pas grand-chose. Merci, petit oiseau. On va voir ce qu'il y a en haut. Oh là ! On vit comme on peut. Bah, elle est très bien ta maison. C'est vrai qu'il n'y a personne. Des fois, faut insister un peu. Donc je tente. Ah oui ! Il y avait le bail avec les escargots. On n'avait pas trouvé comment... Oh ! Ah si, il est là. On n'avait pas trouvé comment gagner la course d'escargots. Je retente pas, j'ai la flemme. Non, j'assume. J'assume, j'ai la flemme. On va aller à droite, on l'a jamais fait encore. On sait pas ce qu'il y a par là. Bah. Bah. J'ai quelques jolies babioles à vendre, ça t'intéresse ? Je vais me débarrasser de ma camelote, pas en rajouter à ma collection. Tu veux vendre tes bibelots ? J'ai cru comprendre qu'il fallait te rendre au village Témi. Où il se trouve ? Je m'en souviens pas. Eh bah super. Tu vends quoi ? J'ai claqué toute ma thune aux courses d'escargots. Je veux rien acheter. Parlez, qu'est-ce que tu veux savoir ? À propos de vous, ça fait longtemps que je suis ici, peut-être trop longtemps même. C'est plus facile d'étudier l'histoire quand tu en fais toi-même partie. Attendez, je vous montre mon chat vite fait. Juste pour le plaisir, parce qu'il vient de monter sur son arbre à chat. Boumi ! Ça va mon chat ? Mais me regarde pas comme ça. Je t'ai pas agressé non plus. Il me regarde vénère. Oh là là. Comment ça, tu sais pas ce que c'est ce symbole ? Mais qu'est-ce qu'on vous colle dans le crâne à l'école ? C'est la rune Delta, voyons, l'emblème de notre royaume. Le royaume des monstres. Ça ressemble à l'emblème du royaume d'Hyrule quand même. Pas mal comme nom, comme j'ai toujours dit. Ce bon vieux sire Potopouf serait même pas nommé son peignoir correctement. Histoire du symbole ? L'histoire de ce symbole n'est pas consignée dans les écrits. Sa signification s'est perdue au fil des âges. Tout ce que l'on sait sur lui, c'est que ces triangles nous représentent nous, les monstres. Et le cercle ailé symbolise autre chose. Ils disent tous que ça représente cet ange prophétique. Ouais, la prophétie. La légende raconte qu'un ange venu de la surface descendra ici-bas et nous libérera tous. Mais récemment, les gens ont commencé à rendre cette légende plus sinistre. Certains appellent désormais ce cercle ailé l'ange de la mort. Le héros de la destruction qui viendrait nous libérer du royaume des mortels. Moi, quand je vois ce petit rond, je le trouve juste marrant. Il est marrant, lui. Sir Potopouf, c'est un bon gars, un doux rêveur, plutôt insouciant. Si tu continues ton chemin, tu tomberas sûrement dessus. Il aime beaucoup se promener et parler aux gens. Pourquoi j'appelle Dreamur Potopouf ? C'est toute une histoire. Je m'en souviens pas. Si tu repasses un peu plus tard, je suis persuadé que je m'en serais rappelé d'ici là. On est obligé de lui poser des questions. Une vraie héroïne, cette petite. À elle seule, elle a gravi les échelons de la garde royale à la sueur de sa détermination. D'ailleurs, elle est passée me demander si j'avais aperçu quelqu'un qui te ressemblait. Si j'étais toi, je resterais prudent. Achète-moi des trucs, ça pourrait te sauver la peau. Ouais, tu parles, c'est juste un commercial. Il veut juste me refourguer ses merdes. C'est non. Ça fait plusieurs fois qu'on croise
ces endroits où il n'y a que de l'eau. Il n'y a que de l'eau, il n'y a pas de musique. Il y a cette ambiance un peu oppressante. Blessés, battus et craignant pour nos vies, nous abandonnâmes face aux humains. Sept de leurs plus grands magiciens nous scellèrent sous terre à l'aide d'un sortilège. Le sceau fait entrer quiconque le désire, mais une âme forte est nécessaire pour sortir. Ok. Il existe un seul moyen de briser le sortilège. Si la barrière était frappée d'une force égale à celle de cette âme, oh, elle serait annihilée. Ah bah j'ai qu'une seule âme en fait. Oh, je peux peut-être descendre? Non. Et cet endroit maudit est dépourvu d'entrée comme de sortie. Impossible pour un humain de parvenir jusqu'ici. Voilà donc coincé ici-bas pour l'éternité. Oh! L'ennemi spécial Temi est là pour en finir avec toi. Bah alors, il a l'air tout mignon. Oh 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 oh. Temi se trompe d'orthographe pour son propre nom. Je crois que j'ai essayé de lui mettre un coup sans faire gaffe. Je vais le nourrir avec des Temi Flex. Temi n'aime que les Temi Flex. Trop fin, se meurt. Non, non, ta patte, Temi. Ta patte, qui s'est... ta patte, elle a un souci. Ta patte, elle a un gros souci. Temi tente de vous gober, mais enfin. Je vais m'étirer. Vous étirez devant Temi. Non, les musclés, trop pas mignon. Oh, j'en doute fortement. Wink. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Nous voilà tous les deux. Wink. Oh non. Oh non, sa transpiration de salle de gym bro. Non. Aaron, je m'étire. Vous vous étirez. Aaron s'étire très fort. Il s'étire d'ici. Victoire. Eh ben... on est toujours aussi fort à ce jeu. À ce que je vois. Oh. Ça, c'est cool. Mais du coup, est-ce que je peux l'éteindre, mais quand même y aller? La réponse est oui. C'est intéressant, ça. Donc le chemin existe, que je l'allume ou pas. Vous marchez sur Jellinuscule. On se barre. Elle veut pas se barrer. On peut fuir. On peut peut-être fuir, elle va rien nous faire. Oh oh, c'était pas un génie luscule ça. Non non non. Oh oh. Oh oh. Gigantesque se dandine dans un coin, et merde. Est-ce qu'on peut le câliner? Salut Mick. Vous câlinez Gigantesque, vous voilà couvert de slime, vitesse réduite, oh non. Ah oui, je suis vraiment très lent. Oh shit. En plus, il fait ultra mal. Gigantesque tient à son espace personnel. Ah merde, je le décaline. Il vous en sait gré. Déhanché pudique. Ok. 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 Gigantesque est à l'aise en votre présence. Mais parfait. Salut Tmar. Bon. On va avoir un petit souci. Il va falloir qu'on se soigne à un moment. Voilà. Ah voilà qui est bien embêtant. Est-ce qu'on peut y aller par un autre moyen? Peut-être. Ouais, sûrement. La musique, elle est trop chouette. C'est quoi ça? Je sais pas. Sans bougie ni magie pour les guider vers la maison,
Les monstres cédèrent de cristaux. C'est quoi ces cristaux là? Oh, ok. D'accord, au bout d'un moment... Ok, il va falloir qu'on mémorise... Oh non. Lave-toi et Aaron apparaissent. Bon, alors Aaron, on va s'étirer. Non! Non! Vas-y, examine donc ça. Oh non! Ça sent la culture de moule. On se débarrasse de Aaron déjà. Hop, 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 hop. Non. Il est en train de me laver. Salut Rature. Aaron, je m'étire plus que lui. C'est quoi ça? Oh. Aaron, attends votre prochain étirement. Ok. Voilà, c'est bon, on a réussi à faire s'étirer d'ici Aaron. Maintenant, on n'a plus qu'à se laver. On n'a plus qu'à se laver à l'aide de lave-toi. Ah, mais attends, il est jaune maintenant. Ça veut dire qu'on peut l'épargner. Ok, on est bon, on est bon. Ok, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Pas par là, c'est sûr. Pas par là, c'est sûr. C'est par là. Hop là. On monte. On monte. Allez. Yes. Ok. Easy. Voilà, c'est moins easy là d'un coup. Non, 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 please, non. Please, non. Qu'est-ce qui est fou là? Cette âme humaine, oh non. Avec leur pouvoir combiné. Notre roi, le roi Asgore, Dreamer, deviendra un dieu. Avec leur pouvoir, Asgore pourra enfin détruire la barrière. Mais Asgore, c'était pas la petite fleur du début, là? Et alors, on pourra enfin reprendre la surface des mains de l'humanité, tout en lui rendant au centuple toute la souffrance que nous avons endurée. Tu saisis, l'humain? Ceci est ton ultime chance de rédemption. Donne-moi ton âme, ou je viendrai moi-même l'arracher à ton corps. Alors, je sais pas comment donner mon âme, donc ça va être embêtant. Ouf! Undine, je vais t'aider à combattre. T'as réussi! Undine est juste devant toi. T'es carrément au premier rang pour la voir se battre. Il a pas capté encore que c'était moi qu'elle chassait. Attends un peu. Contre qui elle se bat? Ça va pas le dire à mes parents. Ouais, écoutez, je sais pas ce qui... J'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais tant mieux. Oh. Oh. Vous entendez une conversation entre deux passants. Si je te le dis, tu me promets de ne pas te moquer de moi. Ah oui, c'était le souhait. Le souhait des deux passants. Mais non, je vais pas me moquer. Un jour, j'aimerais pouvoir escalader cette montagne sous laquelle on est tous enterrés. Avoir le ciel au-dessus de la tête et admirer le paysage tout autour, c'est ça mon souhait. Bah, c'est un beau souhait. Vous entendez quelqu'un éclater de rire. Et t'avais promis de pas te moquer. Dommage. En plus, quand on partage un souhait, ben, il se produit pas, je crois. Oui, pardon, c'est juste que je trouve ça amusant. Parce que tu vois, c'est exactement mon souhait. Mignon. L'ange, celui qui a vu la surface, son retour est certain. Et alors, l'outre-monde ne sera plus qu'un désert. Mais c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je comprends pas ce qu'ils veulent. Ils veulent monstrer
tranquille, où ils veulent faire comme les humains, où je comprends pas leurs propos en fait. Je suis pas censé être dans le coin, mais je vais te demander. C'est la première fois que je demande ça à quelqu'un. T'es un humain, pas vrai? Ah, je le savais. Enfin, maintenant je le sais, je veux dire. Undine m'a dit, ne t'approche pas de cet humain. Et donc, j'imagine que ça fait de nous des ennemis. Mais je suis pas très à l'aise pour ces trucs. Tu peux me dire une méchanceté, histoire que je te déteste, s'il te plaît? Bah non. C'est à moi de le faire alors. C'est parti. Je te déteste à mort. Je suis vraiment en boulet. Je vais rentrer chez moi maintenant. Le pauvre, il est pas sûr d'être un bon monstre du coup. Oh merde, le pauvre. C'est bon, j'ai été le chercher. Voilà, si tu veux faire du mal à mes amis, faudra d'abord me passer sur le corps. Je pense que Undine s'en moque. Je pense qu'elle recule de l'élan. Tu m'as vraiment sauvé la peau, c'était peut-être pas une super idée d'être ennemi. Si on devenait amis à la place. C'est trop cool. Ben on s'est fait un copain. On s'est fait un copain. Il n'y a plus de musique par contre. Comment? Oui, oui, on sait. 6, c'est le nombre d'âmes que l'on a pu rassembler jusqu'à présent. Attends, ça veut dire qu'il y a 6 autres gamins qui sont tombés dans le trou? Ton âme, la 7e, sera la clé d'un nouvel avenir pour ce monde. Ben je sais pas, à vrai dire, je veux dire ce que je pense de tout ça. J'ai l'impression que dans ce putain de lieu, il n'y a pas un seul adulte. J'ai l'impression qu'en bas, tous les monstres ils se comportent comme des enfants. Donc j'ai une théorie sur le fait que ce sont tous des gamins. Regarde, mais tous, ils font des trucs absurdes de gamins, ils font des courses d'escargots de gamins, ils se nourrissent de trucs de gamins, de chocolat, de bonbons. Donc il est où le... C'est quoi le bail, en fait, de tout ça? Il y a d'usage pour ceux qui atteignent cet endroit en vie. Je vais te raconter la tragique histoire de notre peuple. Tout commença il y a très très longtemps. Non, tu sais quoi? On s'en tape! À quoi bon te raconter cette histoire? Alors que je m'apprête à te tuer! Let's go! Ça me plaît. Toi, oui, toi! Tu fais obstacle à la réalisation de tous nos rêves et nos espoirs! Je pensais les humains compatissants! Oh, la musique, elle est forte! Je suis obligé de baisser un petit peu. D'après les archives d'Elphys. Mais toi, tu tues sans le moindre remords! Tu erres dans les cavernes et attaques le premier monstre venu! Mais pas du tout, j'attaque personne en plus! Je fais que parler aux gens? J'ai attaqué personne? De la légitime défense, ne me fais pas rire. Tu n'as pas tué tous ces gens par nécessité. Tu les as tués parce que c'était facile à faire. Parce que tu trouverais ça amusant. Tu penses que ça m'a fait marrer, moi, quand j'ai appris tout ça? Tu trouves ça drôle d'annoncer aux familles que leur... Mais je n'ai tué personne, Undine. Je n'ai tué personne. Je trouve pas ça drôle, moi. Mais ton heure a sonné, crapule. Jamais plus tu ne feras de mal à quiconque. Un chevalier à l'armure étincelante est apparu. Et toute cette souffrance que tu as infligée à tes victimes, tous les rêves, tous les espoirs que tu as réduits en poussière, elle te les fera payer du bout de sa lance. Je vais te montrer de quelle détermination les monstres sont faits. Allez, approche un peu, qu'on en fisse. Oui, le point de sauvegarde. Le vent hurle, cela vous emplit de détermination. Je sauvegarde. Encore une fois, j'ai tué personne. Cette fois, tu ne pourras pas te défiler. Me voilà. Pourquoi le cœur il est vert maintenant? En garde!
Undine attaque. Je vais l'examiner. 50 d'attaque. L'héroïne qui n'abandonne jamais. Eh ben super. Tant que t'es vert, tu ne peux pas m'échapper. À moins que tu apprennes à faire face au danger. Tu ne tiendras pas plus d'une seconde contre moi. À faire face au danger. Faire face au danger. C'était quoi ce truc là que j'ai bougé? Un sourire menaçant se dessine sur le visage d'Undine. Je vais la défier. Vous dites à Undine que ses attaques sont trop faibles. Elle s'en moque. Quand je dis faire face au danger, je veux dire faire face au projectile, littéralement. Mais attends, c'est quoi ce truc-là? Ah ah! C'est un bouclier, en fait. Undine effectue une suplexe sur un rocher, parce qu'elle le vaut bien. C'est nul! Ses attaques sont trop faibles. Joli, mais que dis-tu de ça? Eh ben, je reste derrière mon bouclier. Hop, voilà. Ça sent le sushi. Comme ça, ça... Défié. Vous dites à Undine que ses attaques sont trop faibles, les projectiles accélèrent. Des années qu'on rêve tous d'un dénouement heureux. Attends, tu me prends pour qui? Undine repense à ses amis et martèle le sol de ses poings. Je continue à lui dire qu'elle est trop faible. À présent... Oh, je suis trop fort. Let's go. Le projectile accélère. Je ne te laisserai pas nous priver de ça. Oh, voilà, par contre, j'ai pris cher. Undine tressaute d'impatience. Je vais continuer à la faire accélérer. Fini de rire. Hop, 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 hop. C'est chaud. Bon, elle sort d'où cette... Undine fait tourner sa lance. Hop, 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 il va falloir que je mange un truc là. Costaud l'humain. Quoi? Bah, par contre, je suis redevenu... Ouf. Undine fait glisser son doigt sous sa gorge. Vous dites à Undine que ses attaques sont trop faibles. Là, c'est pas juste. Et même si tu arrives à me battre... Hop là, hop 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 hop. Non, non 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 non. Hop 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 hop. Oh, elle m'a remis vert. Toujours trop faible. Car elle n'a pas le pouvoir de l'amitié. Aucun humain n'a jamais pu survivre à Asgore. C'est chaud. Dites-vous surplombe. Trop faible. Te tuer, c'est presque faire preuve de clémence. Undine fait glisser son doigt sur le grain. J'ai pas le choix, il faut que je continue à essayer. Waouh. Undine pointe le ciel du doigt héroïquement. Cesse de me résister à ce point. Jamais. Ah, c'était chaud. J'y suis pas arrivé. Oh non. Ne perds pas espoir, Velvet. Garde ta détermination. Bien sûr. Je suis toujours déterminé, les amis. Cette fois, tu pourras pas te défiler. Allez, c'est reparti. Je vais la supplier. Vous dites à Undine que vous ne voulez pas combattre. Mais ça ne donne rien. Je pense qu'effectivement, il faut juste jouer avec ce truc-là. Là. Trop faible. Ok. Weak. Weakling. Trop faible.
nul. Ouf, c'est un peu chaud. On continue. On lui met la pression. Fini de rire. C'est trop chaud. C'est la partie où ça devient chaud, les amis. Oh non. Non, mais cette partie-là, elle était chaude aussi, là. Il faut juste tourner, en fait. Voilà. On va se prendre maintenant une glace gentille. Impeccable. Oups. C'est dommage, là j'ai perdu des PV sur une phase qui était facile. On va continuer à la défier jusqu'au bout. Mais comment je fais là? Je peux pas me défendre des deux côtés. Là, est-ce qu'il m'en reste une? C'est quoi ça? Vous mangez la nourriture pour astronautes, vous récupérez 21 PV. Oh yes. Oh, eh oh, tu triches. Faible. De quoi vous êtes fait, vous autres? Je suis fait d'amour. N'importe quelle autre personne. Oh oh. Bon là. Vous souvenez? Oh, touché. Allez. Alphys m'avait dit que vous étiez tous du genre déterminé. Oh, c'est quoi cette arnaque? Je vois à quoi elle faisait allusion maintenant. Hop là, t'as essayé de m'avoir, non? Et moi aussi, je suis déterminé. Poum, je me suis tout pris. Il faut que je... Je vais être obligé de manger le bonhomme de neige. Vous mangez le morceau de bonhomme de neige, PV entièrement restauré. Terminer à mettre un terme à tout ça ici. Voilà, là, là. Et maintenant. Voilà, oh là. Je vais pas y arriver. Maintenant. Undine repense à ses amis. Vous dites à Undine que ses attaques sont trop faibles. Ouf. Ça sent le sushi. Je pourrais pas survivre à la prochaine. Tu vas crever, le nabo. Bah oui, je vais crever. Mais je sais pas comment gérer ce boss, les amis. Tout ira bien. Garde ta détermination. Eh ben on va réessayer, c'est pas grave. Supplie là tout le temps. Ah ouais. Bah ouais, mais en fait... En fait le truc c'est que quand tu choisis de leur parler, j'ai l'impression que si ça fait pas avancer le dialogue, ça marche pas en gros. Tu vas voir.
ça ne donne rien. Undine fait tourner sa lance. Vous dites à Undine que vous ne voulez pas combattre, mais ça ne donne rien, tu vois. Au moins, ça fait pas accélérer les projectiles. I guess. Des années qu'on rêve tous. C'est vrai que ça les fait pas accélérer quelque part, donc est-ce que c'est pas plus mal? Ah. Undine repense à ses amis. Ah si, ils ont accéléré là, ils ont accéléré. Undine fait tourner sa lance. Ça ne donne rien. Je ne te laisserai pas nous priver de ça. C'est les mêmes trucs qu'avant. Hein. Fini de rire. J'ai noobé de fou. Je ne veux pas combattre. Costaud l'humain. Eh oui. Un sourire menaçant se dessine sur le visage d'Undine. Même si tu arrivais à me battre. Easy. Mais je ne veux pas. Vous lui assurez que vous voulez simplement fraterniser. Cela lui rappelle quelqu'un. Ah ? Ses attaques baissent en intensité. Oh ouais. Ça reste quand même très chaud. Non ! Non, j'ai eu un réflexe. Ah non. Non. Undine pointe le ciel du doigt héroïquement. Désolé, bonhomme de neige, c'est ton moment. Cesse de me résister. Ah, ils abusent. Oh. Je veux pas combattre, ça ne donne rien. N'importe quelle autre personne serait déjà morte. Eh oui, mais je ne suis pas n'importe qui. Car c'est en faisant n'importe qui qu'on devient n'importe quoi. Undine tressaute d'impatience. C'est du subconscient. Alphys m'avait dit que vous étiez tous du genre déterminé. Eh oui, c'est vrai. Je me ferai pas voir. Un sourire menaçant se dessine. Vous lui assurez que vous voulez simplement fraterniser, cela lui rappelle quelqu'un. Ses attaques baissent en intensité. Je vois à quoi elle faisait allusion maintenant. Ouf. Ok, supplié. Moi aussi, je suis déterminé. Oh, je suis obligé de m'avoir là. Supplié. Allez, please. Déterminé à mettre un terme à tout ça. Objet, glace gentille. Tes griffes sont-elles naturelles? Vous récupérez 15 PV. Ouh. Ouhou. Je veux pas me battre. J'ai tout pris à la fin. Ça ne donne rien.
tu vas crever. Non, je ne veux pas. Oh. Oh, j'étais en dessous de la lance. J'étais en dessous. Oh. Tu ne veux pas abandonner maintenant. Velvet, garde ta détermination, bien sûr. Bien sûr que je vais garder ma détermination. Mais c'est super chaud par contre, hein. Je suis déterminé à lui latter les couilles, hein. Le jeu triche, bah ouais, on est d'accord. En garde. Je veux pas me battre. Ça ne donne rien. Tant que t'es vert, tu peux pas m'échapper. À moins que tu apprennes à faire face au danger. Tu ne tiendras pas plus d'une seconde contre moi. Ça fait plus d'une seconde, laisse-moi partir. Je devrais pouvoir m'en sortir si je continue à la supplier. Ok. Ça donne toujours rien. Ok, au moins on perd pas de vie bêtement. Ça donne toujours rien à ce stade. Mais on s'en sort très très bien. Fini de rire. Ah, shit. Mais oh. Costaud. Bah ouais, costaud. Voilà. Et même si tu arrives à me battre. Ok. Vous lui assurez que vous voulez simplement fraterniser. Cela lui rappelle quelqu'un. Ses attaques baissent en intensité. C'est un mensonge. Ses attaques, elles baissent pas du tout en intensité. Je prends tarif. Faut pas combattre. Un sourire menaçant se dessine sur le visage de Undine. Quel mensonge. Quel mensonge. Ses attaques baissent en intensité, ça c'est quoi ça? C'est encore pire. Cesse de me résister à ce point. Supplier. Ok. Je flirte avec la mort. N'importe quelle autre personne serait déjà morte. Et je sais bien. J'essaye de ne pas mourir pour la je sais pas combientième fois de cette partie. Là, il me le met plusieurs fois, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça baisse en intensité, cette affaire. Hein. C'est tellement fantastique, vous récupérez 25 PV, cool. Je vois à quoi elle faisait allusion. Ok. Tant que Undine continue son discours, c'est ok. Hein. Tant qu'elle continue à avancer dans sa story, c'est cool. Hein. Moi aussi, je suis déterminé. Oh, j'ai presque réussi à les avoir, les quatre, à la fin. Mais il faut les faire à l'envers. Déterminé à mettre un terme. Ouf.
C'est très très chaud. Au prochain coup. On va prendre le bonhomme de neige. Ah. Non. Je veux pas combattre, bon sang. God damn it. Hop. Oh non, je suis passé en dessous encore une fois, vous avez vu. C'était de l'abus, ça. Hors de mon chemin. Ça, par contre, on n'y était jamais arrivé. On n'était jamais arrivé aussi loin. Ça sent le poisson enragé. Je ne perdrai pas. Moi, par contre, Undine, là... là, c'est peut-être un peu too much, là, non? Je crois pas que t'en fais trop. Tu ne t'échapperas jamais. Bro. L'œil valide d'Undine convulse nerveusement. Lui assurer que vous avez simplement... ou que vous voulez simplement fraterniser. Cela lui rappelle quelqu'un. Ses attaques baissent en intensité. Mensonge. Il y a encore plus de lances. Arrête. Arrête de mentir, Undine. On tente. C'est la dernière. Je vais pas réussir. Tu ne t'échapperas jamais. Son nom, il est pas en jaune. Donc on peut pas encore fuir ou l'épargner. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Salut Echo. Je la supplie une dernière fois. Ouais, elle est bloquée. Elle est bloquée sur son discours, tu ne t'échapperas jamais. Merde. Nadine jette un coup d'œil aux alentours, craignant un canular. Je prends de la nourriture pour astronaute. Je continue. Combien de temps je vais devoir la supplier? Je vais l'épargner. Ça marche pas. Je vais finir par la convaincre. J'espère. Mais pour l'instant, on est vraiment bloqué dans une loupe. Et si je la défiais maintenant? Non. C'était pas une bonne idée. Je vais l'examiner. C'est vrai qu'elle abandonne jamais. Oh putain. Bah allez, c'est bon, je me casse. Vous avez fui. Oh non. Arrête de fuir comme ça. Fuck. Je me casse d'ici. J'aime trop comment le cœur, il se barre avec des petits... Il a des petits pieds, il se barre. Non. Reviens là, espèce de microbe. Non, laisse-moi tranquille.
Salut, quoi de neuf ? Je me disais, on devrait se faire un truc. Toi, moi et Undine, je suis sûr que vous vous entendrez bien. Retrouve-moi chez elle un peu plus tard. Bah alors je veux bien, mais là, elle essaye de me tuer, Papyrus. Sans, réveille-toi. Ah, bon sang. Là, je m'enfuis. Oh, une bonbonne à eau. Mon armure, trop chaude. Je peux pas laisser tomber. Non. Elle a l'air complètement déshydratée. Eh bien, ça tombe bien qu'il y a ça. C'est une fontaine à eau. Prendre un verre d'eau. Bah oui. Donner de l'eau à Undine, bien sûr. Plouf. Ça a marché. Je vais reprendre un petit verre d'eau. J'aime bien parce qu'elle se balade avec son petit verre d'eau. Le verre d'eau est revenu à la fontaine à eau. Et Sans, il est pas là. Il est pas là. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Merci Tmar. Le jeu a raison, il faut s'hydrater. Qu'est-ce que c'est que cette merde, by the way? Ok. J'avais soif. Donc j'ai fait le chemin des chutes jusqu'ici pour boire un coup. Mais t'étais pas là tout à l'heure, bro. Je peux peut-être lui donner le verre d'eau à lui. Non. Tu te trimbales avec ça juste pour te donner un air distingué? Oui, parce que ça ne marche pas. Foiré. La chaleur a fait s'évaporer l'eau du verre. Le verre, lui aussi, s'est évaporé. Eh ben super! Voir un laboratoire si étrange dans un endroit comme celui-ci, cela vous remplit de détermination. Pouf. On s'en est bien sorti. Oh! Mais, c'est un des endroits, comme je vous ai dit, qui était trop bizarre. Je suis le passeur. À moins que je ne sois une passeuse, ce n'a pas grande importance. J'adore voyager à bord de ma barque. Veux-tu me tenir compagnie? Ok. Où allons-nous aujourd'hui? Ah, on peut voyager avec ça maintenant. Dangereux mes formateurs, oui tu m'étonnes. Donc là ça m'emmène directement à Couvre-Neige. Ok, donc c'est tous les endroits qu'on a vus qui étaient un peu glauques, en fait c'est là où il y a le passeur. Reviens donc une autre fois. Eh bien ça tombe bien. Je veux retourner à Calcitère. Oui. Le passeur est un allié d'ailleurs, confirmé. Hein. Il l'a dit, hein. Ça n'a pas grande importance. Situé juste avant la salle des lanternes scintillantes. Ah. Et pique ma curiosité là. Reviens donc une autre fois. Tralala. J'ai vu les deux bonhommes là, mais... Désolé, Undine nous a dit qu'il y avait, genre, un humain dans le coin. Alors nous, les gardes royaux, devons, genre, bloquer les ascenseurs pour l'instant. Même si les ascenseurs ne fonctionnent pas, on se débrouillera, mademoiselle Undine. Bon, très bien alors. C'est effectivement un laboratoire. Je suis suivi et monitoré. C'est vous. Et ça, c'est quoi ça? Et tout ça, là, c'est quoi ça? Il fait trop sombre pour voir près des murs. Pourquoi il y a un énorme sachet de croquettes pour chien? Il faut qu'on trouve le moyen d'allumer la lumière, déjà. Ouh.
qu'est-ce que c'est que ça? Toi oh. Les yeux. Ah, oh, on dirait le daron du petit dino, non? Mon dieu, je ne m'attendais pas à ce que tu arrives si vite. Je ne me suis pas douché, à peine habillé, c'est le désordre. Pauvre quand tu reçois quelqu'un chez toi. Salut, je suis le docteur Alphys, c'est moi, la scientifique royale d'Asgore. Ah, c'est la daronne. Mais je ne fais pas partie des méchants. En fait, depuis ta sortie des ruines, j'ai observé ton voyage à travers ma console. Tes combats, tes amitiés, tout. Au début, je pensais t'arrêter, mais suivre une personne à travers l'écran la rend vraiment plus attachante. Alors, maintenant, je veux t'aider. En usant de mon savoir, je peux facilement te guider dans Calcitère. Je connais un chemin vers le château d'Asgore sans aucun problème. Les emoji nerd. Attends, faut que je clique dessus pour le voir en grand. Ça va peut-être couper le jeu vite fait. Ah putain. Alors en fait. Il est nickel ton emoji nerd. Il a construit un robot qui s'appelle Métatron. Métatron, c'est le nom d'un archange, si j'ai pas de bêtises. C'est comme une sorte de télé-robotise avec quelque chose du genre. Toujours est-il que, récemment, j'ai décidé de te le rendre plus utile. Tu sais, juste quelques petits ajustements, ça, ici et là. Du genre... Des fonctions de combat anti-humain? Bien sûr, en te voyant arriver, je me suis tout de suite dit que je devais retirer ces fonctions. Cela dit, j'ai dû faire une toute petite erreur au passage, et... maintenant, c'est une machine à tuer incontrôlable assoiffée de sang humain. Haha, l'erreur bête. Mais peut-être bien que nous ne tomberons jamais sur lui. Ah mais ça serait bien, ouais. Tu as entendu ça? Alors, malheureusement, oui. Ne serait-ce pas là le robot assoiffé de sang anti-humain? Oh oui, bienvenue, mes jolis. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, waouh! C'est un oh yeah! Au jeu télévisé du jour! Bah. Comment ça groove? Comment c'est possible de groover à chaque track, franchement? Cet épisode s'annonce grandiose! C'est moi qui vous le dis! Un tonnerre d'applaudissements pour ce fabuleux humain qui sera notre candidat! J'ai jamais joué auparavant, mon poussin. Aucun problème, c'est très simple. Il n'y a qu'une seule règle. Il répond correctement. Ou meurs. Ah non. Métatron, attaque. Je vais chouiner. Les règles stipulent que seul Métatron a le droit de se donner en spectacle. Commençons en douceur. Pour chaque... Que gagnes-tu pour chaque bonne réponse? La clémence. Ah, que tu crois, tu as tout faux. Le quiz se poursuit. Bon putain, il m'a coupé mes points de vie en deux. Voici ta splendide récompense. Quel est le nom complet du roi? Asgordrimur. Oui. Le quiz se poursuit. Parlons un peu de moi. De quoi sont faits les robots? De métal magie. Trop facile. Je vais l'examiner. Défense 255, oui, de toute façon, on n'aurait pas pu le goumer. Son corps de métal le rend insensible aux attaques. En plus. Une autre question maintenant. Facile, bien entendu. Un train A et un train B quittent leur station respective à la même heure. La station A et B sont séparées de 900 km. Le train A roule à 100 km vers la station B. Le train se part simultanément à 10h. Et désormais... Hop, hop, hop. 4h. Non. Mais attends, il me divise mes PV en deux à chaque fois. Il va rien se passer quand je vais tomber à un PV.
J'ai reconnu ça, hein. Ça a fait... Oui, oui. Ça a fait 18, puis maintenant ça fait 9. Ne compte pas trop sur ta victoire. Combien c'est que je compte? Combien y a-t-il de mouches dans ce pot? 54. Let's go. Oui. Faisons appel à ta mémoire. De quel monstre s'agit-il? Trois pots. Quoi? Mais il triche. Il triche, vous avez vu. Que penses-tu de celle-ci? Embrasserais-tu un fantôme? J'avais pas vraiment le choix. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de bugger. Celle-là, c'est cadeau. Combien y a-t-il de lettres dans Métatron? Évidemment, c'était bien trop simple pour toi. Je crois qu'il est en train de bugger. Vous avez vu, je compte vite, hein. C'est mon talent secret. Direct, c'est plus... Ah. Passons au plat de résistance. C'était l'entrée. Dans le dating simulator, miaou 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 bisou. Quelle est la nourriture préférée de miaou miaou? Ça, je sais, c'est la glace. C'est la glace théropode. Elle achète de la glace pour ses amis, mais comme c'est saveur escargot, personne n'en veut. C'est un de mes passages préférés du jeu, car en réalité, un profond message sur l'amitié et... J'en sais un peu beaucoup sur ce jeu. Sur ce jeu de dating simulator de chat, Alphys. Je ne serais pas en train de lui donner des indices cette fois. Il fallait me le dire tout de suite. Je vais donc poser une question dont tu connais forcément la réponse. Pour qui en pince le docteur Alphys? Je ne sais pas. Oh merci Jean-Marc. Merci pour le Prime. Merci beaucoup. Là on est en train de chader notre way en plus du... Autour du jeu là. Le docteur Alphys en fince pour l'inconnu. Vois-tu, Alphys est persuadé qu'il existe quelqu'un en ce monde. Une personne qui l'observe. Une personne qu'elle trouve mignonne et intéressante. Salut à toi, personne hypothétique. Le docteur Alphys te fait la bise. Quel dommage que tu n'existes pas. Bâtard. Raillerie préenregistrée. J'ai fait des recherches à ce sujet. Des univers parallèles existent tout autour de nous. Et peut-être même qu'un jour, je pourrai la rencontrer en personne. C'est déjà ce que tu disais à propos de miaou miaou mimi bisou. Mais bon, je vais t'accorder le bénéfice du doute. Je m'adresse maintenant à la personne supposément présente. Pourquoi ne pas nous faire un petit signe en direct? Voilà qui met tout le monde d'accord, n'est-ce pas? Attends. Si le docteur Alphys continue de t'aider, il n'y aura plus du tout de suspense. On ne peut pas se permettre de continuer ainsi. Mais... Ce n'était que l'épisode pilote au programme de la prochaine fois. Du drame, de l'amour, de la violence. Alors, à très vite, mes chéris. Parle comme Cyril Hanouna. Eh bien, c'était quand même un sacré numéro. Cette dernière question, elle n'était pas censée la poser. C'est ça, ouais. Je vais aller visiter le trou, mais d'abord, je regarde. Ce panneau indique les toilettes. Ça, c'est quoi, c'est... Attends, attends. Laisse-moi te donner mon numéro de téléphone, au cas où. Si tu as besoin d'aide, je pourrais... Il vient d'où ton téléphone? Il est préhistorique. Il ne peut même pas envoyer de texto. Attends une seconde. Cool, on va avoir une upgrade. Voilà, je te l'ai amélioré. Il gère les textos, les objets, il y a même un porte-clés. Je t'ai aussi créé un compte sur notre réseau social numéro 1, Undernet. Dorénavant, notre amitié est officielle. Hé. Je rêve où elle s'est auto-friendzonée. Le robot ressemble à Cyril Hanouna parce que c'est aussi un robot sans cœur qui dit des trucs gênants. C'est pas faux. On peut voir deux pieds jaunes se balancer derrière la porte. Alors attendez, je vais d'abord aller voir. L'espace derrière le mur fait seulement 1 ou 2 mètres de profondeur. Quoi? Mais comment? Sac de nourriture pour chien à moitié vide. Rempli de nouilles instantanées et de soda. Voulez-vous prendre un paquet de nouilles? Bien sûr. Vous obtenez des nouilles instantanées.
La figurine d'une fille humaine avec des oreilles de chat. Elle est en piteux état. C'est un ordinateur. Il est relié à une sorte d'énigme dans couve-neige. Ah ouais ? Une tasse de thé en forme de lézard. Elle est remplie à ras-bord de soda. Elle est note au sujet de quelque chose. Vous voyez le bureau là, avec tous les tous les emballages de nourriture et les papiers partout ? On dirait mon bureau. Premier degré, on dirait mon bureau. Je suis un putain de gobelin. Hop là. Oh. Des livres scientifiques. Ils semblent très poussiéreux, là aussi. Tous ces livres sont étiquetés Histoire des humains. Vas-y, on va en lire un. Consulter un livre. C'est une BD dans laquelle un robot géant affronte une belle princesse extraterrestre. Vous vous interrogez sur la véracité de cette représentation. Ce sont des cassettes VHS et des DVD de dessins animés en tout genre. Ils sont tous étiquetés Histoire humaine. On en lit un autre. C'est une bande dessinée. Deux chefs cuistots peu vêtus se balancent des pancakes d'énergie. Vous vous interrogez sur la véracité de cette représentation. Alors, qu'est-ce qu'on a cette fois ? Un androïde hideux court en direction d'une école avec une tartine dans la bouche. Il semble en retard. Une substance rose et visqueuse dégouline de cette machine. Une substance... Je peux pas l'activer, la machine ? On dirait la table de travail d'Alphys. Elle semble poussiéreuse. Oh putain. Non mais j'ai les mains qui transpirent. C'est pour ça. Il est chaud ton pot de... Ah c'est bon. J'avais les mains qui transpiraient, c'était facile sinon. Qu'est-ce que vous voulez ? La garde-robe est remplie de blouses de laboratoire sales et une seule robe est propre. Alphys Web Energy, mais Alphys de fou. Mais moi je relaye de fou. C'est une lampe avec des poissons roses sur l'abat-jour. Il n'y a pas d'ampoule. C'est un bloc de glace. Voilà une invention incroyable. Quand il n'est pas utilisé, ce lit se transforme en boîte extrêmement facile à dessiner. Il n'y a eu aucun effort. Ce poster fait la promotion de la première apparition de Métaton à la télévision. Au dos, on peut lire « Merci à toi pour avoir fait de mes rêves une réalité ». Mais l'énorme whip que c'est incroyable. Les nouvelles à la con, les dessins là de Weeb, alors y a rien qui va. Le stalking, le fait qu'il y ait plus de nourriture pour animaux que de nourriture pour humains, enfin pour monstres. Alphys a changé son statut. En fait, j'ai pas vu Undine combattre l'humain. Bon, Alphys, je vais vite te follow. Hein. Parfait, elle est imbattable, je lui demanderai plus tard. Pour le moment, je dois appeler l'humain et le guider. Il fait même des emojis de Weeb. Tout à fait le genre de truc que je pourrais écrire. Elle est adorable. Vol câlin se balade par ici. Eh bien, on va lui faire un câlin. Vous faites un câlin à Vol câlin, cela vous réchauffe le cœur. Et le reste du corps, votre défense diminue. Ah non. C'est chaud là, hein. Les joues de Volcalin brillent d'une chaleur intense. Épargné. Victoire. Vous obtenez 0 XP et 40 pièces d'or. Je vais l'appeler dans une minute. Ah là, faut bien choisir là, je pense. Cool. Alphys qui tweet en continu. Ouais, tu sais, c'est les gens, tu leur mets, t'actives les notifs sur leur tweet parce que tu les trouves vraiment intéressants, t'as vraiment pas envie de louper leur contenu. Et à partir de ce moment-là, t'as l'impression qu'ils tweetent 40 fois par jour.
Horrible. Bonne nuit, Gara. On va pas tarder non plus. Ah si, on a encore une heure devant nous, ouais. La musique, la musique. Le sifflement de la vapeur et des rouages, cela vous emplit de détermination. De détermination à aller me coucher avant minuit. Je déteste utiliser le téléphone, je veux pas le faire péter des... Ça y est, c'est mon animal totem. Alphys. Alphys, on est ensemble. Ça fait quoi, ça? Je mets pratiquement tous les serveurs Discord en muet, nique les notifs. Moi, je désactive toutes les notifs, sauf les mentions, souvent. Et sur les serveurs de créateurs de contenu, j'active le... j'active les notifs de stream ou les sorties de vidéos YouTube, c'est l'intérêt que j'y trouve. Thunderplane se met sur le passage. C'est pas du tout voulu. Comment ça? Parce que c'est une Thundere plane. Vous approchez de Thunderplane, mais pas trop. Et un humain. Pourquoi elle est en verte? Thunderplane vous effleure de ses ailes accidentellement. Il va falloir qu'on trouve autre chose. On va devoir flirter, les amis. Pour complimenter Thunderplane sur ses belles turbines. Moi, je me fais bombarder. Oh, oh, ouais. Ça sent la boutique d'aéroport. Vous complimentez Thunderplane sur son puissant gouvernail. Espèce de malade. Oh, 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 oh. Thunderplane prend un air suffisant. Vous complimentez Thunderplane sur la majesté de ses ailes. Ah, les bombes, par contre, elles me terrifient. Les bombes, elles font trop peur. Je vais juste l'examiner. Son sale caractère cacherait-il une attirance secrète? A priori, non. A priori, c'est pas le projet. Ah, mais comment je vais m'en débarrasser? Vous approchez. Mais pas trop. Faut peut-être que je touche le vert. Ah ouais, faut que je touche le vert, je pense. Ouais. 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 Ça l'a fait rougir. Oh. L'avion est rougi. Thunderplane vous regarde, puis tourne subitement la tête d'un air boudeur. On a réussi. Victoire, vous obtenez 0 XP et 60 pièces d'or. Bon, c'est quoi ça maintenant? Oh! Nice! Ok. Je sais pas où je vais, hein, juste je me balade. Hein. Ah, bah on peut. Oh, c'est quoi ça? C'est une poêle. Quelque chose me dit qu'il nous la faut. Ah! Ah, cool. Bah oui, je ramasse la poêle à frire. Vous obtenez poêle carbonisée. Ok. Et y a rien là. Une arnaque. Non. J'ai marché trop vite. Bon, on a une poêle. Je sais pas à quoi ça sert, mais on l'a. À mon avis, c'était pas pour rien. Alphys a changé son statut. OMG, j'ai la griffe sur la dernière touche depuis 5 minutes. OMG, je vais le faire, je vais l'appeler. Bah moi je vais sauvegarder. Parce que ça me rend mes PV en plus. Yes. Oui. Pyrolier se balance vers vous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va le refroidir. Non, on va l'examiner d'abord. Toujours regard. Il ne fait jamais assez chaud pour ce monstre facétieux. Ouais mais... Mais là, c'est chaud, là.
Je vais le refroidir, moi. Vous soufflez sur Pyroli et ses flammes faiblissent. L'attaque diminue. C'est quoi cette embrouille? Et je fais comment pour... Je vais crever. Pyroli fin de déclencher l'alarme anti-incendie. Vous soufflez sur Pyroli. Mais comment je... Je peux rien faire. Je vais l'inviter. Vous tentez de vous lier d'amitié avec Pyroli. Désolé, j'ai les mains liées. Vous soufflez sur Pyroli et ses flammes faiblissent. De toute façon, je suis mort. Donc voilà, heureusement que j'ai sauvegardé avant. Hein. Garde ta détermination. Bien sûr. Donc par là, on peut pas passer en fait, c'est ça le truc, ok. J'ai capté. Non. Oh non. Peut-être que je pourrais utiliser ma poêle sur lui. Vous équipez de la poêle carbonisée. Ça va, c'est assez chaud. Je ne saurais te dire. Je ne peux que perdre des PV. Je vais fuir. Dring, dring. La personne qui appelait a raccroché avant que vous puissiez répondre. Salut. Alors, les lasers bleus, je veux dire, ici Alphys, bonjour. Les lasers bleus ne font pas de mal si tu ne bouges pas. Pour ceux orange, tu dois être en mouvement. Et ils ne te feront pas, avance à travers ces lasers. À toutes. Ok. Je l'ai fait. Mes griffes n'avaient pas autant tremblé depuis qu'Undine m'a demandé la météo. Y'a pas de météo ici, pourquoi elle m'avait appelé? Non! Ok. Easy. C'est un interrupteur, appuyé. Bien sûr, les lasers ont été désactivés. Il me faudrait un point de sauvegarde rapido. Oh mon dieu, j'ai oublié de lui dire où aller. Photo trop mimi de moi à l'instant. C'est la photo d'une poubelle, mais avec des filtres roses scintillants. Alphys, faut que tu prennes confiance en toi. Ici, Alphys. La porte au nord reste verrouillée tant que les énigmes à gauche et à droite ne sont pas résolues. Je pense que tu devrais aller à droite d'abord. Eh bien, très bien. J'ai pas l'impression d'Evie. Undine l'a appelé pour lui demander la météo alors qu'il n'y avait pas de météo. Ben oui, Undine, secret crush avec Alphys, hein. Eh ouais. La route vers le boulot est bloquée. J'ai suivi l'émission de Métaton sur mon portable. Les effets spéciaux étaient incroyables aujourd'hui. Cet humain semblait quasi réel. Métaton, ouais, c'est la star la plus populaire de l'outre-monde. Son fan club doit avoir au moins 2, non 3 douzaines de membres. Eh bien. C'est une tête de chat. La porte qui mène à l'autre zone est fermée, du coup j'ai essayé l'énigme, mais j'étais sans cesse à court de munitions. Ça redémarrait à chaque fois. Et mes deux collègues ne m'aident pas. C'est comme si ça les embêtait de travailler. Il parle en question. Tirer sur le vaisseau ennemi, déplacer les boîtes pour compléter la mission. Oh, bougez ça. Ok. Il suffisait de le dire. Ok, alors. Voilà. Regardez, hop. Hop, hop. Merde. Félicitations.
Ça c'est fait. À gauche. Me voilà, c'est Alphys. Il semble impossible de passer à travers ce rayon laser bleu, mais en tant que scientifique royal, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais pirater la base de données de Calcitère et les désactiver. Bah dis donc, ce qu'il est ? Enfin, quelqu'un a désactivé ce laser, vu qu'on est libre. On peut, je crois qu'on va se contenter de rester planté là. On traînait dehors tranquille quand soudain, toutes ces énigmes se sont réactivées, c'est vachement problématique. Et ça gère. À tous les coups, ils ont dû annuler l'école. Ah oui, j'avoue, elles ont des outfits d'étudiantes. Tirer sur le vaisseau ennemi. Alors, j'ai combien de munitions ? J'en ai deux. Voilà. Hop là. Easy. C'est ciao. Oui. Et puis zut, je vais l'expliquer. Je pense que... À propos des énigmes à gauche et à droite, elles sont assez compliquées à expliquer, mais... Tu les as déjà résolues, génial. Eh oui, t'es un petit peu à la bourre. J'ai un énorme cervelet. Satisfaisant. Il fait plutôt sombre ici, tu trouves pas ? Pas d'inquiétude, je vais pirater le système des lumières et éclairer un peu. Oh, c'est cosy ? Comment ça, oh non ? Oh oui ! Bienvenue mes beautés à l'émission de cuisine vedette de l'outre-monde. Robot tueur en cuisine. Préchauffez vos fours, car aujourd'hui, nous vous proposons une recette très spéciale. Nous allons préparer un gâteau. Pour ce faire, je serai assisté par nul autre que cet adorable humain. Veuillez l'applaudir bien fort. Il nous faut du sucre, du lait et des œufs. Vas-y, mon sucre d'orge. Bah des œufs là. Vous avez trouvé les œufs. Hop là. Vous avez trouvé le lait et vous avez trouvé le sucre. Hop là. Parfait. Excellent travail. Beauté. On a tous les ingrédients pour préparer le gâteau. Du lait, du sucre et des œufs. Oh là là. Attendez un sublime instant. Comment ai-je pu oublier la levure? Il nous manque l'ingrédient le plus important. Une tronçonneuse. Une âme humaine. Mais enfin. Attends, 2 secondes, téléphone. Allô, je suis un peu occupé là. Attends une seconde. Et si tu utilisais un substitut pour la recette? Un substitut, tu veux dire utiliser un ingrédient non humain? Pourquoi? Imagine que quelqu'un soit végétalien. Eh bien, disons que c'est une brillante idée, Alphys. La musique, elle me flingue. En fait, il se trouve que nous avons pile ce qu'il faut ici. Le substitut super pratique saveur âme humaine MTT, dont une boîte se trouve justement là-bas, sur le comptoir. Incroyable. Ça, par exemple. Alors, mon chou, pourquoi ne vas-tu pas la chercher? Oui. Oui, je veux qu'on utilise la boîte et pas mon âme. Non. What the fuck? Par ailleurs, notre émission a un planning très serré. Si tu ne peux pas obtenir la boîte de conserve en moins d'une minute, nous devrons nous contenter du plan initial. Donc tu ferais mieux de commencer à grimper. Oh non, il n'y a plus assez de temps pour grimper. Heureusement, j'ai peut-être une solution. Quand j'ai amélioré ton téléphone, j'ai ajouté quelques fonctions. Tu vois ce gros bouton sur lequel on lit Jetpack? Quoi? What the... Quoi? Et voilà! Tu devrais avoir juste assez d'essence pour atteindre le sommet. Maintenant, monte là-haut!
Oh là là. Oh, what the fuck. C'est quoi cette merde? Oh non. Des chamallows. Oh non. Oh là. Je suis à la moitié, je suis à la moitié. Non. On esquive, on esquive. C'est quoi ce jeu de flingué, franchement? Non. Non. Ça devient chaud. Ouah. Ça me ralentit. Ouf. On dirait bien que tu m'as surpassé. Mais c'est seulement grâce à l'aide du brillant docteur Alphys. J'ose à peine imaginer ce qu'il te serait arrivé sans son intervention. Sur ce, ciao ciao. Ah oui, à propos de la substitution, tu n'as jamais vu une émission de cuisine auparavant? Le gâteau est préparé à l'avance, alors oublie ça. Bâtard. Waouh, on a réussi. On a vraiment réussi. Beau travail, partenaire. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer. Eh ben, j'avoue, y'a rien qui m'oblige à rester en cuisine. Oh oui, oh oui, un point de sauvegarde. Une structure menaçante se dresse au loin. Cela vous emplit de détermination. Tu vois ce bâtiment au loin? C'est le noyau, la source énergétique de tout l'outre-monde. Il convertit l'énergie géothermique en énergie magique grâce à... bref. C'est là où on se dirige. Dans le noyau se trouve un ascenseur qui mène au château d'Asgore. Et depuis là-bas, tu pourras rentrer chez toi. Mais voilà. Merci, Alphys. Veuillez choisir un étage. Étage gauche. Gauche parce que c'est là où il y avait le noyau, j'ai l'impression. On va voir. Hein. Il y a aussi un point de sauvegarde. Ouais, c'est bizarre. Ah, ça nous ramène ici. Ok, on se souvient de là où c'était. C'est là, c'était gardé par les gardes tout à l'heure. Donc il faut qu'on aille à droite. Étage droite 2. L'humour du jeu, il est absurde, vraiment. Mais pour l'instant, je passe un très bon moment, hein, je dois vous dire. Je regrette d'être passé à côté de ce jeu depuis si longtemps. Moi, c'est Touf Touf Flamme. N'oublie pas mon nom. D'accord. J'adore les hot dogs. C'est bizarre qu'il y ait de la neige sur le toit du gars, non? J'imagine qu'il est juste trop paresseux pour l'enlever. Mais on est dans un volcan! Je me chauffe les biches. Hé, petite tête, quoi de neuf? Un hot dog, ça te tente seulement 30 PO, bien sûr. Merci, voilà ton dog. Ouais, dog, apostrophe dog, diminutif de hot dog. Je vais en prendre un deuxième. Oups, en fait, il ne me reste plus de hot dog. Tiens, tu peux avoir un hot cat à la place. Attends, quoi? Oh, sérieux? Bon, ça, c'est quoi? C'est une arme. J'en ai pas besoin. Hot dog soigne 20 PV. La viande est en fait constituée d'une quenouille. Sérieux? Et le hot cat? Soigne 21 PV. Comme un hot dog, mais avec des oreilles de chat. Dîner avec ma petite copine, Wink. La photo montre une figurine de fille-chat à côté d'un bol de nouilles instantanées. Alphys, on s'en sort un jour. Fais-moi confiance. Un jour, on finit par s'en sortir. Ça prend du temps. Faut travailler sur soi. On finit par s'en sortir. Squelette BG95 a posté une photo. Alors on poste des photos sexy. Ça, c'est moi avec mon pote BG. Sur la photo, Papyrus montre ses muscles devant un miroir. Il a des lunettes de soleil. J'ai un espoir pour Alphys car je m'en suis sorti, mais pareil, Echo. Pareil. Pareil, la frontière entre le turbo-weeb
et l'énorme daron que je suis devenu est très très mince. Des biceps géants sont collés sur ses bras. Les biceps portent également des lunettes de soleil. Alphys a changé son statut. LOL, squelette BG95, c'est une blague j'espère. Ça va. La seule blague ici, c'est la force démesurée de mes muscles. C'est un petit bout in shape, le bordel. Oh, qu'est-ce que c'est ? Napstablook22 souhaite devenir votre ami. Acceptez la demande. C'était qui déjà Napstablook ? Ça me dit un truc, mais j'ai oublié. Je vais accepter. On dirait que la demande s'est refusée d'elle-même. C'était pas le fantôme ? Il y a un tablier par terre. Voulez-vous le ramasser ? Bien sûr. Vous obtenez le tablier taché. Je sais pas à quoi ils nous servent tous ces items qu'on ramasse au fur et à mesure. Hein. Bonjour, c'est le docteur Alphys. Cette énigme me semble basée sur le timing. Tu vois ces interrupteurs là-bas ? Tu vas devoir appuyer sur les 3 en moins de 3 secondes. Je vais tenter de t'aider pour le rythme. Non ! Appuie sur le troisième maintenant. On dirait que tu devais juste appuyer sur deux d'entre eux. Putain. J'ai failli foirer le truc à cause de lui, hein. Alphys, attention, c'est la dernière fois que j'essaye d'aider pour une énigme PTDR. Je vais aux toilettes, donc je serai AFK un petit moment. Je suis sûr que tu peux résoudre cette énigme sans mon aide. Bon, ça fait quoi ça ? Je sais pas quoi ça sert ça. Oh ! Ok. Non ! Va falloir qu'on enclenche un giga cerveau là. Non, j'avais fait le bon truc, attendez. Ouais. Ah mais ça sert à rien là-haut. Fuck. Mais j'ai capté. Gauche. Droit. Gauche. On est good. Easy. La fille qui part chier pile quand il y a la seule énigme un peu dure. Non, facile. Facile, ici on est entre gros cerveaux. OMG, les gens pensent que le Mew Mew 2 est meilleur que le 1. MDRRRRR, c'est une blague j'espère. Savoir qu'un jour peut-être la souris arrivera à hacker ce coffre et prendre le fromage et prendra le fromage, cela vous emplit de détermination. Putain la pauvre souris. Il y a un morceau de fromage à l'intérieur de ce coffre-fort. Les lasers ont fait fondre le fromage sur les bords, il est collé à la table. Alphys a changé son OMG, mais il ruine complètement tout l'arc de Mew Mew. Mon avis sur Mew Mew 2. Mew Mew Mew. Mew Mew Mimi Bisou 2 n'est ni Mimi ni Bisou, c'est naze, 0 sur 5. C'est un typical gamer, c'est une typical gamer, pardon. Et toi là, par un geste. Non mais les amis, c'est un malentendu. On a genre reçu des plaintes anonymes à propos d'un humain avec un pull rayé. On nous a dit que l'humain se trouverait quelque part à Calcitaire, là maintenant. Je sais, c'est effrayant, hein. Mais bon, relax. On va t'emmener dans un endroit sûr, ok ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a, poteau ? Le pull du fauteur de trouble ? Eh bah, qu'est-ce qu'il a ? Non, mais c'est un malentendu. Poteau, tu penses à ce que je pense ? Trop la loose. C'est vraiment, genre, méga embarrassant. En fait, tu sais, on va carrément devoir te tuer et tout. Oh non ! C'est embarrassant, j'avoue. La garde royale attaque ! Garde 1 ! Je vais nettoyer son armure, parce que je suis sympa. Ils ont l'air sympas, en vrai. Vous essayez de toucher l'armure de garde 1. Vos mains glissent dessus. Genre, bats les pattes, quoi. Attaque en duo.
Aïe. Calmos les gardes. 01 se lustre la figure. Je vais lui murmurer. Vous persuadez GR01 d'être honnête avec ses sentiments. Genre 1, je pige pas. J'avoue. Si je bouge pas, ça va. Oh. Je vais l'examiner. Faut qu'on en apprenne plus. Hop là. Ah non. Ah, c'est très perturbant. La sueur ruisselle le long de l'armure de 02. Aïe, aïe, aïe. Nettoyez l'armure. Vous nettoyez l'armure de 02. La crasse qui la recouvre commence à partir. Genre, donne ton âme, Coco. Ah. 02 observe vos mouvements. Je vais continuer de nettoyer. Genre, tu vas mourir, tu sais. Ouais. J'en peux plus. Il fait trop chaud. Ah, je l'ai fait chauffer à force de la frotter. Pardon. Beaucoup mieux. Garde 1 semble préoccupé par quelque chose. Et c'est là où il va falloir lui murmurer. Vous persuadez garde 1 d'être honnête avec ses sentiments. Je... Ah, il a la tremblotte. Là, il a la tremblotte. Mec. J'en peux plus. C'est plus fort que moi. Genre, 02, je veux dire. Genre... Je te kiffe, tu sais. Ta façon de te battre. Ta façon de parler. Et j'aime trop nos attaques en duo. J'adore quand on reste là, tous les deux, à faire tournoyer nos armes en synchro. 02. Je veux dire, je veux que ça continue comme ça. Bouya, je t'ai eu, mec. 01. Ouais, mec. Ça te dirait d'aller manger une glace après ça? Carrément, mec. 01 et 02 se regardent l'un l'autre d'un air joyeux. Je les épargne. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Oups, attends, je me demande comment l'humain s'en sort. Il va nous appeler. Top 10 des séries qui vous distraient de votre fichu job. Aïe, aïe, aïe. Me lancez pas là-dessus. Ces trucs de vapeur me font peur, je préfère les éviter. Ok, me revoilà. Une autre salle dans le noir, hein. Pas d'inquiétude, c'est déjà réglé grâce à mes compétences en piratage. Oh oh. Oh oh. Sérieusement? Oh oui! Bonsoir, mes belles et mes beaux. Ici Métaton, en direct sur MTT News. Il a remixé la musique en mode news. En fait, tu passes presque tous les combats du jeu avec du flirt. Bah ouais, c'est ma technique secrète. Ici, il se passe quelque chose d'intéressant à l'est de Calciter, par chance. Il s'avère que notre reporter s'y trouve, en direct. Brave reporter, trouve-nous un scoop intéressant. Nos 10 merveilleux spectateurs t'attendent. Oh ciel, voilà un verre d'eau des plus quelconques. Mais tu sais ce qu'on dit, il suffit parfois d'enjoliver, faire un reportage là-dessus. Oui. Votre attention, cher public, notre reporter a trouvé un verre d'eau. Ce qui est stupéfiant avec ce verre d'eau, c'est à quel point il est inintéressant. Comme tout verre d'eau, il est constitué d'eau, de verre et de nitroglycérine quoi? Un instant. Ça n'est pas un verre d'eau. C'est une bombe. Oh non! Ce duplex va se transformer en duplexplosion. Pas de panique. Vous n'avez pas encore vu le reste de la salle. Oh ciel! Il semblerait que tout dans cette zone soit en fait une bombe. Le chien aussi! Ce chien est une bombe!
ce ballon est une bombe. Et même mes mots sont... What the fuck? Brave reporter, si tu ne désamorces pas toutes ces bombes. Cette grosse bombe te réduira en miettes d'ici 2 minutes. Après quoi, pour les lives, ça risque d'être un peu mort. Quelle tristesse, quelle horreur. Nos 9 téléspectateurs vont vraiment adorer. Il a perdu un viewer. Bonne chance, Trésor. Ne t'en fais pas. J'ai installé un programme de déminage sur ton téléphone. Appuie sur désamorcer quand la bombe passe dans la zone de déminage. Allez, c'est ce que t'as à faire. Ok. Désamorcer le chien. Maintenant. Attends. Chien désamorcé. Bien joué. Continue de faire le tour de la salle. Essaye d'avoir celle en bas à gauche maintenant. Y'a rien là. Désamorcer le ballon de basket. Bombe désamorcée. Oh le verre d'eau. Oh le verre d'eau, il est parti où? Le cadeau. Hop là, désamorcé. 4 bombes restantes. Ah ouais, quand même. Le verre d'eau. Par respect des normes journalistiques, un champ de force mortelle entoure le lieu. Eh ben super. Comment ça, 4 bombes? On va devoir attendre le verre d'eau. On a vu qu'il passait là, on va le choper la prochaine fois, ok? 26 secondes restantes comme ça. Déjà? Verre d'eau extrêmement agile. Hop là. Désamorcé. 18 secondes restantes. 14 secondes. Mais y'a rien! Elles sont où les autres bombes? Je peux pas cliquer sur la bombe qui est là. 9 secondes. Et je peux pas avancer par là. 8. Je sais pas où elles sont les autres. Alors? Ah, mais par là! 5. Oh non, bro. Désamorçage raté, visez la zone de déminage. Ouah, il reste 1 seconde. On est mort de toute façon. Beau travail! Il n'en reste qu'une en bas à gauche. Ouais, mais c'est trop tard. Pas de chance, Trésor. Tu n'as pas réussi à tous les désamorcer en 3 minutes. En conséquence, cette méga bombe va te réduire en miettes. Chers téléspectateurs, voici enfin le moment que vous attendez tous. Ce fut un plaisir, Trésor. Il semblerait que la bombe ait un souci technique. C'est parce que pendant que tu faisais ton monologue, j'ai changé. Oh non, tu as désactivé la bombe grâce à tes talents de hacker. Et ouais, c'est exactement ça. Malédiction. Maudit sois-tu, humain. Maudit sois-tu, docteur Alphys. Toi et ton aide précieuse. Mais je ne maudis pas mes 8 braves téléspectateurs pour leur fidélité à la revoyure. Pouf, on a eu chaud, hein. On a eu chaud. J'aurais dû être plus précise en te guidant. Il y avait si peu de temps. Bon. C'est la faute de Métatron, pas la mienne. Je peux pas tout anticiper non plus. Je deviens enfin moins hésitante. À te venir en aide. Je te protégerai de ce vieux robot détraqué, à tout prix. Et s'il le faut, j'irai même jusqu'à l'être... non, rien. On est à mi-chemin d'une... Attends, comment ça, tu peux l'éteindre? Tu peux l'éteindre? Docteur Alphys, tu peux l'éteindre? Et tu m'as rien dit? Bon bah la bombe, elle va rester là comme ça, hein. Là, il y avait des lasers, visiblement, mais il n'y en a plus. Est-ce qu'on peut juste avancer vers la droite maintenant? Oui. Il n'y a plus de musique. Le noyau! Le noyau! J'ai remarqué que tu ne disais pas grand-chose. Tu t'inquiètes à propos de ta rencontre avec Asgore, pardon. Ben, ne t'en fais pas. Le roi est vraiment quelqu'un de bien. Je suis sûr que tu arriveras à la raisonner. Et
Avec ton âme humaine, tu peux traverser la barrière sans problème, alors pas d'inquiétude. Garde le sourire et oublie ces histoires. C'est gentil ça, Alphys. Merci. Actually, merci. Bah, il y a étage... Étage gauche 3, ça c'est nouveau ça. À moins qu'on soit déjà... En fait, on est à l'étage gauche là. Attends, je vais t'essayer. Ah ah! Bienvenue dans notre salon, mon sucre. Désirerais-tu goûter une de nos arachnopâtisseries? Tous les achats iront au profit des araignées. Ah, mais vous vous souvenez, on avait vu ça. Bah oui. Les articles sont exposés sur la toile. On dirait une sorte de bracelet de force. Ce n'est qu'un croissant. C'est un arachnodonut. Il semble un peu plus caoutchouteux que d'habitude. Acheter un arachnodonut pour 9999 PO? Non, je n'ai pas les moyens. Acheter de l'arachnocidre pour 9999... Bah non. J'ai fini par acheter un donut. Je ne voulais pas, mais cette fille, même quand je lui ai dit non, elle a continué à me regarder avec cet air flippant tout en se léchant les babines. Et maintenant, je n'ai plus d'argent. Ah, je comprends. C'est vrai qu'elle est mimi. Avec ses quatre yeux sur la tête. Salut, c'est Alphys. Cette salle, c'est comme celle qu'on a vue avant. Il y a deux énigmes au nord. Et une au sud. Tu vas devoir les résoudre pour continuer. Ok. Sinon, j'aimerais te dire que j'aime pas vraiment donner les solutions des énigmes. Mais si tu as besoin d'aide, appelle-moi. En fait, attends, j'ai une idée. Devenons amis sur Undernet. Tu n'auras plus qu'à me biper quand tu as besoin d'aide. Mais attends, on est déjà amis, non? Parce que je t'avais déjà créé un compte. Du coup, tu lis mes posts depuis le début. Bon ben, j'espère que tu es du même avis pour Mew 2. Bien sûr. Je fais confiance à Alphys concernant Mew 2. Pour moi, c'est un fin connaisseur. Donc il sait de quoi il parle. Hop là. I fucking Z. Thunderplane attaque, mais pas parce que Volcalin vous porte de l'attention, hein. Je suis mort. Thunderplane, je m'approche de toi. Vous vous approchez de Thunderplane, mais pas trop. Ah, ça va être chaud là. Hein. Volcalin, ok. J'ai pas Thunderplane. Je vais aider Lava Soin. Hop, 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 hop. Ça a pas l'air très soin, cette affaire. Volcalin vous explique que l'avion rapetisse, genre, trop intentionnellement, quoi. Volcalin, je vais t'encourager. Vous encouragez Volcalin, ses attaques passent à l'extrême. Comment ça? Ouh, ouh, ouh. Hop, là. Volcalin se dandine fièrement autour de vous. Parfait. Victoire. Bon. Ah, mais c'est parce qu'on a que une seule munition, là, en fait. C'est ça. Je vais trouver. Il faudrait le monter là, faire comme ça. Non. Je vais trouver, hein. Je finis toujours par trouver. Let's go. Easy. Ah, j'aime bien. Félicitations. Mais il m'a pas dit, il y a deux énigmes. Ah ah. Mon moment, mes tâtons favoris.
quand il pose dramatiquement alors que tout semble perdu. Genre, quand il fait son émission de cuisine et que les œufs n'ont pas été bien cuits. Tête de losange, là. Mon moment métaton préféré, c'est quand il tape sur les méchants du show. Même si ça arrive en plein durant le soi-disant quiz télévisé. Ok. Ok, ok, ok. Bon, maintenant, faut qu'on aille en bas. Les bleus, il faut pas bouger. J'ai confondu avec l'autre. Et ça n'a pas vraiment de rapport avec la situation, mais ça te dirait qu'on regarde une série télé humaine ensemble. Ouais, grave. Un de ces quatre, ça s'appelle Miu Miu Mimi Bisou. Carrément. Sérieux, c'est vraiment bien. C'est ma série préférée. Ça parle d'une fille humaine, Miu Miu, qui a des oreilles de chat. Les humains en ont pas, du coup, ça la rend complexée, mais à la fin, genre, elle se rend compte que ses oreilles ne changent rien et que ses amis l'apprécient malgré ses dernières, et c'est super émouvant. Le supérieur, et aussi, ça peut paraître bizarre, mais elle possède le pouvoir de contrôler l'esprit de tous ceux qu'elle embrasse. Elle embrasse les gens pour les contrôler et régler ses soucis. Personne ne se soucie. En fait, mais si elle rate son baiser, alors là, je veux dire, en fait, finalement, elle réalise que contrôler les gens. Bon, ok, j'ai presque tout spoilé la série là, mais je pense que tu pourrais vraiment, vraiment aimer. On devrait regarder ça, une fois ton périple terminé. C'est pas moi qui passais le texte, hein, c'est le texte qui s'enchaînait tout seul, hein, by the way. Bon. Nous n'avons toujours qu'une seule munition, donc on va devoir faire ça, ça, ça. Ah oui, je vois. Okay. Malin. Malin, 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 malin. Effectivement, comment faire, je vous demande bien. Ah. Easy. Bah c'est quoi ça? Vous arrêtez pour sentir les fleurs. Voilà. Oh bon sang. Bah maintenant nous on veut faire quoi? On veut aller à droite là. Voilà. Ouf. Un point de sauvegarde serait vraiment pas de trop. On a vraiment un point de vie quoi. Oh. Oh merci. Il flotte dans l'air une odeur de toile d'araignée. Cela vous emplit de détermination, bien entendu. Quelle heure il est ? 23h23 ? J'ai le temps. Quelque chose me dit qu'il faut pas trop marcher dessus. Vous avez entendu ça ? Vous autres ? Apparemment, un humain en pull rayé se dirigerait par ici. J'ai entendu dire que les humains détestaient les araignées. Moi, j'aime bien les araignées. Ils adoraient les écraser. Quoi ? Jamais de la vie. Il s'amusait à leur arracher les pattes. Mais qui fait ça? Qui arrache les pattes des araignées? C'est méchant. J'ai entendu dire... Ah! Qu'ils étaient radins comme pas deux. Alors ça, c'est vrai. Tu as peur que nos pâtisseries ne soient pas à ton goût, mon sucre? Bah, j'en ai acheté un dès le début du jeu. Permets-moi de te rassurer. Je crois bien que ton goût est pile ce qu'il manque à notre prochaine fournée. Le piège de Mufette se referme sur vous. Je peux la payer. Je vais l'examiner avant.
Attaque 38.8, défense 18.8. Vous l'avez parce qu'elle a 8 pattes, parce que c'est une araignée. Si elle vous invite dans son boudoir, refusez volume. Ok. N'aie pas l'air si beau rose, mon sucre. Oh. Oh. C'est quoi ça? Le violet te va nettement mieux. Vous êtes piégé dans une étrange toile mauve. Je vais me débattre. Vous vous débattez pour sortir. Mufette met sa main devant la bouche pour se gausser de vous. Pourquoi cet air triste? Tu devrais être aux anges. Ok. Ok, c'est Frogger. Ça sent la toile d'araignée tout juste sortie du four. Je vais continuer à me débattre. J'ai pas envie de payer. Vous débattez pour sortir. Mufette éclate de rire et tape des mains. Tu seras l'ingrédient principal d'un succulent gâteau. Oups. Mufette commence à décorer la toile autour de vous. Ah bon? Vous débattez. Vos pitreries amusent tellement Mufette qu'elle vous offre une réduction. Ah! Te libérer, ne sois pas bête. Les araignées claquent des doigts en suivant le tempo. C'est vrai que la musique, elle est bien. Ah ouais, maintenant j'ai une réduction, je paye que 5 PO maintenant. Vous débattez pour sortir, mais en vain. Le bonheur de beaucoup d'araignées repose sur ton âme. Dommage. C'est quoi ça? Mufette commence à décorer. Vous débattez, mais en vain. Quel impoli! J'ai presque oublié de te présenter mon familier. C'est l'heure du petit déjeuner après tout. Amusez-vous bien. Hop, 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 hop. Ah là 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 là, mes yeux. Ah, ça donne mal à la tête. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, 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 hop. Et c'est vachement chaud. Oh, je peux pas monter plus vite. Mufette entame une chorégraphie avec les autres araignées. Oh, bordel de merde. Je me débats. Vous vous débattez pour sortir. L'individu qui nous a parlé de toi. Oui, c'est vrai qu'il m'a balance là. Et qui m'a balance là? Il nous a offert un paquet d'argent pour récupérer ton âme. Qui m'a balance contre de l'argent? Vous débattez. Difficile de dire non à un si beau sourire et... Ah, bah alors, on a le béguin? Oups. C'est quoi ça? Bah... Attends, il faut que je mange un truc. Vous sortez les nouilles instantanées de leur emballage. Vous mettez un peu d'eau dans la casserole et la mettez à chauffer. Il faut attendre que l'eau bouille maintenant. C'est bon. Vous mettez les nouilles dans la casserole. 4 minutes avant que les nouilles soient cuites. 3 minutes avant que les nouilles soient cuites. Bordel. Heureusement que j'ai ramassé la casserole tout à l'heure. Les nouilles sont cuites! Elles n'ont pas très bon goût. Vous ajoutez le sachet aromatique. C'est un peu mieux. Toujours pas top, mais un peu mieux. Vous avalez les nouilles instantanées, vous récupérez 8 PV! Putain! Ah, fait chier! Ah, c'est pas possible! Je jurerais l'avoir aperçu dans l'ombre changer de forme. Mais c'est quoi ça? Je peux pas esquiver ça! Les araignées claquent des... Oh. Je vais manger un hot dog! Vous mangez le hot dog! Point d'interrogation, vous récupérez 24 PV. C'est l'heure du repas, j'en oublierai presque de nourrir mon bébé. Oh oh. Oh oh. Ouah, j'ai... Ouais, c'est chaud, je peux pas. Je vais mourir. Mufette vous verse une tasse d'araignée. Ah, ça c'est gentil ça. Vous débattez pour sortir, mais en vain. Grâce à cet argent,
Les clans arachnéens seront enfin réunis. Eh bien, c'est terrible. C'est terrible. Je garde ma détermination. N'ayez crainte. Je garde ma détermination, mais ça sera pour la prochaine fois. Tout simplement. Ça sera pour la prochaine fois parce qu'il est 23h30 et que demain, vous vous levez pour aller au travail, hein ? Pas vrai ? Pas vrai, la team ? Il y en a qui se lèvent, c'est-à-dire pas moi, globalement, mais les autres, oui. Je trouve qu'on a quand même bien avancé. Je sais pas où on en est par rapport au jeu parce que je le connais pas. Mais on a bien avancé. Et d'après Info Chat Igara Girl, on devrait avoir terminé au prochain stream. J'irai pas au travail vu que je fais du télétravail. Oui, mais tu te lèves. Je vous mets une petite 4cam vite fait. Voilà, là il dort. Ah, il dort le... Il dort, mon bébé. Il est trop mimi. Il dort. Je vais rien faire. Je vais le laisser là dormir. Hein. Moi, je vais aller manger, parce que figurez-vous que j'ai complètement oublié d'aller manger ce soir, en fait, tout simplement. On se retrouve mardi soir. Mardi soir, on fait un Lethal Company avec plein de gens chez Schrödinger Kitten. Voilà. Mardi soir, Lethal Company. Lethal Company, elle commence à 20h. Moi, j'ai réussi à négocier 21h. Donc voilà. Parce que je fais mes daronneries, les repas, les machins et tout avant. Donc voilà. Pareil, télétravail, levé plus tard. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Moi, souvent, j'ai une réunion le lundi à 11h. Et souvent, je suis là dans mon lit avec mes AirPods, avec mon téléphone sur Signal. Parce que si on fait la réunion sur Signal, je suis en mode « Salut la team, ça va ?» Dans mon lit. Ah, c'est beau de travailler comme ça. Enfin bref. Mardi après-midi pour Spider. Non mais c'est vrai en plus, t'as raison. C'est vrai que mardi après-midi, je stream aussi l'araignée Do It Yourself. Mais oui, on a le segment de l'après-midi. Il y aura une thématique araignée hein, très clairement cette semaine, puisque bah, y a l'araignée qu'on est en train de fabriquer. Il y a l'araignée dans Undertale. Il y a des araignées dans Lethal Company. Il nous faut juste des araignées dans Final Fantasy XIV et on a le combo. On a la semaine araignée. Voilà, on a un thème comme ça. C'est parfait. Les amis, je vous laisse là. Merci pour vos subs, au fait, tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Joror. J'ai dit vos subs, mais en fait, il n'y a que Joror. Merci Joror pour le Prime. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment très très plaisir le soutien. En plus, comme ça, tu apparaîtras au générique de fin propulsé par Twitch Chat que je vous montre maintenant. Regardez, hop là. En attendant, on a le Discord. Venez sur Discord. Il est bien le Discord. Pas d'araignée sur FF, mais quelques bras quand même. Je n'en dis pas plus. Ah. On prend. Oh, j'ai hâte de cette semaine, hein, je vous le dis. Bonne nuit.